Bonjour à toutes, bonjour à tous, je crois qu'on commence à se connaître. Je suis donc Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe. Je suis bénévole dans l'association IGI créée par Catherine Rébus, on en a déjà parlé. Je suis podcasteuse, si ça se dit comme ça. J'ai créé le podcast qui s'appelle Milkshaker, qui bouscule les idées reçues sur l'allaitement et qui vous informe sur l'allaitement maternel. Je suis la créatrice, la co-créatrice Digi4You, ce centre dédié à la femme et à l'enfant qui va voir le jour à Suresnes. Je suis une maman d'un petit garçon de 2 ans, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une amie, je suis une tata, je suis une marraine, voilà, mon emploi du temps est assez plein. Ma spécialité, qu'est-ce que c'est ? Ma spécialité, c'est de m'occuper de vous, mesdames, et de vos chouchous dans cette période magnifique, mais délicate, qu'est l'arrivée d'un enfant. Avant, pendant, après la grossesse, et puis aussi m'occuper de vos chouchous quand ils arrivent au monde. Ma spécificité, c'est de m'occuper des bébés qui ont des démarrages d'allaitement compliqués, en libérant ces bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Une autre spécialité, c'est l'ostéopathie urogynécologique que j'ai appris auprès de Catherine Rébus et qui me permet de régler des désordres plus intimes que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez venir me consulter pour différentes raisons. Vous souhaitez démarrer une grossesse et cela prend plus de temps à se mettre en place que prévu. Vous pouvez venir me consulter. Vous êtes enceinte, vous avez mal quelque part et vous souhaitez y remédier, n'hésitez pas à venir consulter un ostéopathe. Vous avez envie de préparer votre bassin à l'accouchement, c'est aussi une raison de venir consulter un ostéopathe qui soit spécialisé dans le domaine. Vous avez accouché cette fois et vous avez mal partout, ou pas partout, mais en tout cas, cet accouchement vous laisse quelques souvenirs corporels et vous aimeriez y remédier, venez me voir. Vous avez des douleurs d'ordre intime, des douleurs pendant vos règles, des douleurs au rapport sexuel, vous avez des douleurs intimes, globalement vous pouvez venir me voir aussi. Vous pouvez venir me consulter aussi avec vos bébés, je les prends en charge dès leur naissance pour tous les troubles possibles et imaginables du bébé. Votre bébé ne dort pas, a des coliques, vous ne pouvez pas le poser, il a du reflux, il ne tète pas bien, vous avez des crevasses, ça c'est pour les spécificités à allaitement. Bref, votre bébé n'est pas tout à fait comme vous l'aviez imaginé et vous aimeriez qu'on puisse remédier à ça, alors vous pouvez venir me consulter aussi. Je crois que ceci n'est ni une citation ni une devise vraiment, mais juste sois bienveillant envers toi-même d'abord, puis ensuite envers ton entourage au sens large et regarde ce qui se passe. La femme, puissance. Ma routine santé? Alors, dans un monde idéal, je me lèverai le matin et je ferai soit de la méditation, soit du yoga en fonction de mon humeur du jour. J'irai travailler en vélo et je mangerai, je me nourrirai exclusivement de fruits et légumes d'un producteur local et adorable du champ voisin. Mais, parce qu'il y a un mais, j'habite en région parisienne, il n'y a pas de fruits et légumes dans le champ voisin, même à Suresnes, il n'y en aura pas. J'aime beaucoup trop la côte de bœuf, le vin rouge, le fromage, le chocolat. Et mon fils de 2 ans occupe beaucoup du temps libre qu'il me reste et m'empêche toute tentative de méditation. Alors ma routine santé, à quoi ça ressemble? Ça ressemble juste à essayer de vivre l'instant présent et insuffler beaucoup de bienveillance autour de moi, comme une arme de protection de ce monde qui n'aspire, je l'espère, qu'à devenir meilleur.